Ça les lieux après quoi? Toi, tu traduis en français, il va parler en lingala, s'il te plaît. Amen, Église. Amen. Premièrement, je rends grâce à Dieu. Tu m'as rendu encore une grâce pour que je sois encore en vie. Comme le pasteur venait de le dire, normalement, je devais voyager. Lorsque je me suis rencontré avec le pasteur le vendredi, il m'a dit de ne pas aller. Je devais normalement attendre le culte d'aujourd'hui pour partir après. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Lorsque je suis arrivé en Turquie, j'ai directement commencé à prier ici. Parce que au mois de mai, au mois de mai, normalement je devais traverser, comme tout le monde le sait. Je suis parti, je suis arrivé même dans la province d'Izmir. Au moins un mois. Non? Je fais un mois là. J'ai grâce à J'ai eu la grâce de tenter plusieurs fois d'aller avec le ballon en l'air là. Moi, je n'avais pas pu attendre la Grèce. On a changé de connexion. On est passé en haut, on a gagné du bousso, on a mandé qui est bien. J'ai vu qu'avec mon passeur, les choses n'allaient pas bien. On a changé de passeur. Et j'ai changé de personne. J'étais avec certaines sœurs de l'église. Normalement, le jour où nous devons normalement traverser. Mon pasteur m'a appelé pour me demander si tu avais ton passeport avec toi. Moi, j'ai dit non, je n'ai pas mon passeport avec moi ici. Normalement, dans l'hôtel, avant d'entrer, il faut exhiber le passeport. Comment tu utiliseras? Moi, je n'ai pas le passeport avec moi, je suis resté. Certaines personnes avec qui on était ensemble dans une même chambre, ils sont partis. Il n'y a plus assez de place pour tout le monde, depuis l'un des rentrés. Alors, tu vois, on a tout choix. Nous avons passé la nuit et puis ils sont partis. Le matin, on s'est rencontré avec le pasteur. Nous avons marché avec lui. Nous avons dit nous devons normalement attendre le résultat des personnes qui sont parties. Après, je vous dirai quoi. Après, nous avons passé cette journée, la nuit. Le lendemain, le jour suivant, je n'ai plus de sous avec moi. J'ai appelé ma grande sœur, il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer de l'argent. Tu ne pouvais pas manger de même réduit. J'avais envoyé le message pour le pasteur, mais juste à 15h, son téléphone était toujours éteint. Avec notre ami qui était resté, nous sommes décidés, non, allons le voir dans son hôtel. Lorsque nous sommes arrivés dans son hôtel, vous êtes à la recherche des parents, il a été arrêté. Et puis non, ça va pas, mais ça t'es toujours en hôtel. Il n'y a pas de problème. Comme lui était commissionnaire, nous on a cherché quelqu'un qui parle avec le Turc directement. On a reconnaître 6 personnes. On a pu les joindre, dit que moi je connaissais seulement 6 personnes. Le 5 qui sont partis, et puis l'autre qui est resté, toi je ne te connais pas. Moi j'ai dit comment? J'ai dit non, ce sont des gens avec qui on était ensemble. Pendant que moi j'ai donné mon argent. Il y avait encore une terre là, nous sommes retrouvés. Il a dit non, moi je ne reconnais pas, je reconnais seulement le super-son. J'étais vraiment abattu, désespéré. La vie d'Izmir, c'est une vie vraiment trop stressée, la vie d'Izmir.
À ce moment-là, il y avait certaines personnes qui préparaient déjà leurs valises pour traverser. Les amis avec qui certains t'encourageaient, mais en sachant bien qu'ils avaient leur argent, ils vont traverser. Moi, j'avais plus quoi faire. J'ai passé la journée. J'ai vu qu'il n'y avait pas de solution pour moi. Comment moi je restais ici, s'il n'y a personne qui avait mes documents, mon argent est arrêté. Et si je dois payer l'hôtel, je dois retourner. Avec le peu que j'avais, $30 comme ça. J'avais que $30 avec moi. J'ai payé l'autobus. Je suis retourné à Istanbul. En rentrant vers Istanbul, j'ai appelé les gens que moi j'ai accueillis ici en Turquie. J'ai dit, je reviens là-bas, mais je serai chez vous. Vous allez m'héberger. Ils ont accepté quand même. Je devais normalement payer la maison, tout sauf savoir comment les choses se font. Moi, j'ai pris des sous avec moi. Avec le peu que j'avais, j'ai essayé pour rénover l'argent de la maison, le loyer, disons. C'était vraiment très compliqué pour moi. Depuis que je suis adulte, je n'ai jamais passé de telles situations de terre. Quand je suis venu, les 5 mois que j'ai vécu ici, je n'ai jamais vécu de telles histoires. Ça, $50, la vie difficile, il n'a pas si ma case. Pour avoir $50, c'était tellement difficile. Tellement que je n'ai pas ma famille dans l'espace. Moi j'ai appelé les gens dans Zoom, mais ma famille m'a dit, il y a plus moyen de demander de l'argent. Grâce à Dieu, semaine on a des dans le système d'intelligence. Mais les amis là m'ont aidé la semaine que j'ai pas d'argent. Moi j'avais ces soucis là de d'avoir l'argent de la maison. Je n'ai jamais fait de tchapou. Pendant tout ce temps ici, j'avais jamais fait de tchapou. J'ai essayé. C'est vraiment un esclavage. Alors, j'ai été. Par moments, tout le temps, mais à quoi ça que les sortes de certains moments dans la vie, ils sont comme des préparations. Il y a des jaquettes. Tout ça, ma jaquette. Ah, dans notre travail là, on faisait des jaquettes. N'a pas gagné, franchement. Je n'ai pas. Tellement ma casse, je n'ai pas vu. C'est pas que c'était. Mais un très ardu. Ah ben, nous avons besoin de chemin, humiliation. C'était là, prix au fond, on a fait la libération. C'est pas que le travail était très ardu. Moi, j'ai dit, si c'est le prix à payer, je n'ai pas de choix, je dois payer. Alors, dans ça, il peut même, je veux comment on a sous, quand on a bossé, ça m'a foutu, on a même une immonde, on a fait ce prix, on a un salaire, on a foutu, on a eu. À la fin, je parlais à mon patron. Combien je dois recevoir par mois, petit mot, je ne sais pas. Je rentre à la maison. Je suis rencontré avec quelqu'un qui m'a dit que non, je suis genre de personne, des travailleurs. Lundi, le lundi, viens avec moi. Nous allons le faire. Tu viendras chez moi. La mère habitait avec moi, m'a dit. Tu peux prêter de l'argent. On a pris un examen. Alors, on a donné de l'argent. Je vais prendre la somme de $50. Je vais commencer ce travail. Je n'ai jamais fait un tel moment. Elle ira en Somalie. Je manquais même 1 lira pour acheter du pain le matin. Vous le savez que c'est vraiment un travail très ardu. Il y avait une sœur, avec qui je travaillais bien. Lorsqu'elle achetait le pain pour elle, elle achetait aussi pour moi. Et puis, ça se passait ainsi. Tout cela, moi, je gardais dans mon cœur. Moi, j'avais toujours la confiance. Moi, j'ai eu le premier salaire. Dimanche, je me suis offert par l'église. Je suis venu à l'église. Je suis venu à l'église.
Peut-être,
résultat, peut-être que nous avons un peu de temps. Merci.